m'a montré cette astuce, je suis restée silencieuse avec beaucoup, beaucoup d'amis, beaucoup de personnes. C'est en ce moment-là, c'est là que tu vois que si c'était... Même Dieu même ne nous a pas fait confiance à ce point. Quand vous avez cette astuce, tout ce que les gens font de diabolique à votre insu, vous le voyez avec vos deux yeux. Ceux qui atterrissent dans votre maison, vous les voyez, eux, ils ne vous voient pas. Ceux qui viennent dans votre maison et ils enterrent des choses, vous les voyez, eux, ils ne vous voient pas. C'est en ce moment-là que j'ai vu que on ne pouvait pas travailler en communauté. Comment tu peux voir des collègues qui rient avec toi et qui sont en train de faire des pratiques sur ton dos? J'étais assise là et puis je ris. Je ris des gens, je suis... Non, c'est l'astuce la plus rigolo, mais vraiment rigolo, que Dieu a pu mettre sur la terre, que ma grand-mère m'a montré. Ça m'a appris à marcher dans la vie là. Tu t'en vas chez des amis et puis on te sert à manger et puis la nourriture qu'on t'a donnée là. Et c'est une nourriture pour que si tu finis de manger... Tout ton argent, tout ton salaire, là, tu viens donner à la personne. Tu travailles avec des gens dans la même entreprise où ils sont en train de manigancer des astuces pour pouvoir faire en sorte que toi, on te licencie pour qu'eux, ils restent dans le travail. Ça, ça m'a beaucoup fait rigoler. J'étais assise là et puis je regarde. Hein? Hein? Personne ne peut savoir que tu peux, Dieu peut te permettre de voir de telles choses. Comment on nous a créés. Les amis, je vais vous montrer. Non, mais vous serez dépassés. Si Dieu avait donné la possibilité à tout le monde de voir de telles choses, et quand même ses amis même se sont rendus compte que malgré tout ce qu'ils font, ils n'ont pas de réussi. Ils n'ont pas atteint leurs objectifs. Dieu les a humiliés. C'est que ce que la personne même avait prévu pour que toi, on te licencie de ton travail. Et c'est elle-même qu'on licencie le lendemain. Et elle quitte là-bas, elle vient te trouver pour te dire que c'est toi qui es la sorcière. Non, ça fait rire les amis. Vous avez besoin de cette astuce. Vous avez besoin de cette astuce. Ah, les amis, soyez prêts pour faire cette astuce-là. Soyez prêts. C'est un secret que ma grand-mère m'a donné. En tout cas, ça m'a arrivé un moment, je dis que ça ne valait pas la peine d'avoir ça. Des amis qui viennent chez toi. Et elles viennent avec des astuces. Elles viennent et mangent chez toi. Tu fais à manger, tu leur donnes gratuitement. Tu leur apportes le soutien moral, l'accompagnement moral. Tu es là pour eux. Cet ami, prends tes choses qui t'appartiennent. Allez faire des trucs à ton insu dans le but que toi, tu deviens mouton. Pour que elle, tu lui donnes tout ton salaire. Est-ce que ça là, c'est bon? Si tu ne te laves pas dans cette vie, c'est comme ça les gens vont t'utiliser. C'est comme ça les amis. Souvent, tu te demandes, mais ça, c'est quel genre d'amitié? Elles sont amies jusqu'à l'autre même pelle au ciel là. Oh! C'est ça là, tu prends un peu la poussière là, comme ça, un peu. Quand tu as pris la poussière là, il faut fermer ta bouche là, pas. C'est que la fête là est déjà finie. Tu as pris la poussière là, tu as mis ça sur toi, arrivé à la maison. Il faut prendre seulement un demi-verre d'eau. Mets la poussière là-dedans. Laisse l'eau là, va se reposer. Mets ça au chevet de ton lit, laisse l'eau là. Déjà que même c'est au chevet de ton lit là, ce que tu vas mettre, tu vas voir dans tes rêves, ça a été dépassé mon frère ou ma soeur.
La poussière va s'asseoir comme ça, l'eau qui va venir au-dessus là. Il faut prendre un peu, tu vas laver ton visage. Tu vas voir des choses extraordinaires. Tu vas t'asseoir comme ça, puis tu vas dire, mais en fait, si ton cœur là même n'est pas froid, si ton cœur là n'est pas assis, non mais tu vas attraper les gens puis tu vas les cogner. Parce que je vous dis que l'homme que Dieu a créé là, même Dieu lui-même là, il est au courant de nous jusqu'à... J'ai dit que des collègues de travail, et puis je suis assise et puis je regarde. On rit, on mange ensemble. En temps, je suis en train de manger avec des vipères. Seigneur, j'étais là, je regarde. Je regarde. Je regarde. Je regarde. Non, mais la scène était tellement silencieuse que moi-même, j'ai dit, ah, il faut regarder seulement. Jusqu'à ce que, un matin, on lui a dit, ma soeur, c'est bon, travaille là, tu ne peux plus continuer à travailler ici. Il faut prendre ta route pour partir. Ah! Et, j'ai dit que Dieu va vous révéler des choses extra et merveilleuses. Vous allez regarder comme ça. Cette astuce-là, il y a une racine qui accompagne cette astuce. Ça aide. Voilà. Le jour où tu ne veux plus de cette astuce, tu prends ton pipi seulement, tu nettoies ton visage, c'est fini. Cette astuce-là, tu l'as plus. Mais si tu as envie de rire et te moquer des attitudes des gens qui ont des comportements diaboliques, bah, tu peux le faire. Voilà. Cette vidéo vous a plu. Je pense que vous avez beaucoup rigolé, moi aussi. J'ai toujours rigolé de cette astuce. Ça peut aider. Ça peut.